Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 7ème épisode de mon Let's Play sur le jeu Mountain Blade Warband saison 7. Et donc je vous avais essayé la dernière fois, on était juste devant le roi du Royaume des Nords. Il avait plus de 500 unités, nous on en a à peine 150, je crois qu'on en a 157. On va essayer de faire cette bastion, on va voir ce que ça va donner, hein. J'espère que ça va passer. Je pense que ça peut passer, on va bien voir. Allez, c'est parti. Bon, alors, nous sommes ici, 157 contre 538. J'ai envie de dire. C'est parti. Ouah, 23 contre 40. Nous avons un très clair désavantage de combat, donc ça veut dire qu'il doit être level 1 milliard 500 millions. À avoir un sacré level de tactique, parce que nous on a je crois qu'on a un level de tactique qui est de 8. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme parce que ça nécessite énormément d'intel. Et au final, il semblerait qu'on en ait pas assez. Bon, par contre, on a clairement plus d'unités à cheval et c'est plus des petites merdes ce qu'ils ont en face. Du coup, très clairement, je pense que les premiers rounds devraient bien se passer. Voilà, pour l'instant ça se passe bien, il va y avoir un rip-up soon je pense. Quoi, non, il reste encore 21? Ah si, il devrait y avoir un rip-up soon. Voilà, ok, ils sont là. Aïe. Le tout c'est de pas crever. Je devrais peut-être éviter de foncer droit dans le tas, parce que le tout c'est de pas crever, sinon on va avoir des petits soucis parce qu'il va falloir relancer l'assaut et tout, c'est chiant. Bon, c'est pas aussi chiant que si j'avais une tour de siège à construire, mais ça va être chiant quand même. Du coup, faut pas crever. L'objectif, c'est vraiment ne pas prendre de dégâts, enfin, en tout cas le minimum possible. Parce que sinon, après, ça va être vraiment, vraiment relou. Après, si on peut faire des kills, ça va très bien. Voilà. Pour l'instant, ça se passe bien. On en a quand même 538 à bourriner, hein, donc... C'est pas rien, va falloir très clairement fonctionner, faire fonctionner cette épée, ça va être rouge sang. Nyeh. Il y a un petit ralentissement, j'ai l'impression qu'il y a trop d'unités sur la carte. Avec mon petit frappe, c'est mon PC qui commence à être un peu vieux. Bon, de toute façon, pour le prochain Mountain Blade, Mountain Blade Bannerlord, j'aurai un nouveau PC, vous inquiétez pas. On pourra faire de la capture vidéo 4K, tout ça, même si j'ai pas d'écran 4K. On pourra faire de la capture vidéo 4K, 60 FPS, tout ce que vous voulez. Ça sera nickel. Et il faudra aussi que je revoie un petit peu les formats vidéo. Ah oui, bah forcément, j'ai fait la première vague d'assaut. Il doit en rester 3 qui traînent. Première vague d'assaut éliminée. Ah oui, c'est vrai que c'est par morceaux et ça va être vachement long. Première vague d'assaut éliminée, donc... Ok, donc on a fait une petite, moins d'une centaine d'unités, donc il en reste encore 400, c'est pas rien, 86, voilà. On en a fait 86, sachant qu'il y en a pas mal qui ont été assommés, donc ça va être revenu, donc ça, on va dire 70. Ça va clairement être long, hein. Je pense que cet épisode, il va être un poil long, peut-être que je vous couperai évidemment, si je vois que c'est vraiment trop simple et qu'on fait juste des allers-retours. Je vous couperai tout ça, parce que si c'est pas intéressant, autant ne pas le montrer. Alors là par contre c'est... Nickel, grosse plaine, et beaucoup d'archers. Autant vous dire que ma cavalerie elle va s'en donner à cœur joie. Sauf si moi j'arrive pas à toucher. Ouais. Heureusement que j'ai beaucoup de cavalerie, hein. Hop. Par contre, je suis beaucoup moins efficace sur un canasson que à pied. Hein. Ok, ils sont là-bas. Aïe, oui. Arrête de me viser. Je suis une brêle, je suis une grosse brêle. Mais toi, tu t'es foutu devant moi, connard. 52 points de dégâts, il est pas mort. Tu m'expliques pourquoi je peux pas te toucher? Voilà, je me suis fait un peu casser mon canasson. Bon, ça avance bien.
Ok. Ça avance super bien. Bon. Il y a des films qui m'envoient des flèches, je sais pas trop d'où. Ok, on en a éliminé 58, ça va être super long cette baston en fait. Ça va être genre méga long. Bon, il va crever, oui. Ok, il en reste un. Il va se faire pourrir. Yay! Bon, ok. On va refaire encore un side. Ensuite, je pense que je vais vous couper un petit peu parce que c'est pas hyper intéressant. 156 contre 386. Voilà, voilà. Ça avance. On a un avantage de combat nul. Ouais, ça va pas être bien, bien folichon tout ça. C'est dommage qu'on puisse pas. Que ça fasse pas vraiment des bastons avec 500 contre les 100. Bon, les 100, 500 contre 157 directement, ça aurait été un petit peu lourd. Je pense qu'on se serait fait défoncer parce que. Il y a quand même la loi du nombre. Il y a un truc, je crois que c'est un simulateur de bastons, je le vois passer régulièrement, mais j'ai jamais trop su quel programme c'était. Qui permet de simuler des bastons absolument n'importe quoi, genre 100 000 poulets contre 300 spartiates ou les trucs comme ça. C'est trop drôle. Je crois que c'est les poulets qui gagnent. Et ça, j'aurais bien aimé que ça soit un peu plus genre comme ça, le jeu. Bon, après, je leur demande beaucoup parce que ça fait un bout de temps que j'y joue. C'est surtout ça, le truc. Et puis, il y a énormément de trucs qui vont être corrigés dans le Bannerlord. Enfin, qui vont être corrigés, améliorés. Je pense que Bannerlord va être un jeu, mais vraiment un gros, gros jeu qui va marquer les esprits. Et aussi un autre jeu début 2018 qui devrait sortir, c'est... Merde. Oh, j'ai eu un assommé, tiens. C'est, je me souviens plus de son nom, je vais y arriver. C'est Monster Hunter World. Alors là, mes amis. Je vous le dis depuis le début de cette saison, parce que en fait, moi, je peux pas encore y toucher, alors que... Il est fort... Non, ça devrait... Je pense que cette vidéo-là, enfin, devrait sortir en janvier, alors que moi, je suis en juillet. Un truc comme ça. Donc c'est pour vous dire que moi je suis pas du tout encore proche de me poser mes mains sur ce jeu. Mais par contre quand il va sortir, mon dieu, je vais vous faire des vidéos sur toutes les armes, ça va être trop drôle. Toutes les armes, tous les monstres, je vais vraiment vous faire des trucs de fou. Ok, donc 67, on va continuer. Je pense que je vais juste arrêter de vous montrer tout ça. Je vous retrouve une fois que j'ai mis sur la gueule à ce satané roi. Parce que j'ai envie de dire, il m'aura juste fait perdre du temps et moi j'aurais juste éliminé énormément de leur armée. Normal. Allez, on se retrouve, à tout de suite. Allez, c'est le GG. Bon, c'est facile ce jeu, c'est franchement facile. J'aime bien, il dit halt, rendez-vous, mais en fait c'est moi qui peux le faire prisonnier, du coup c'est un peu con. Voilà. Donc on a tout éliminé, on a plutôt bien réussi. On a eu qu'une seule perte, c'est juste monstrueux, voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce jeu qui est décidément un peu trop facile. Alors, Artenheimer... ah oui, mais c'est vrai que s'ils sont un petit peu exsangues, mes héros, ils sont pas bien, en fait. Ils sont plus actifs. Du coup, c'est sur moi que je prends. C'est pas très intéressant. On va attendre un peu. Ce qu'on va faire, on va aller à Suno. En tout cas, on va le laisser aller à Suno. Tu veux pas aller à Suno? Allez-y. Comme ça, je vous chaufferai tous en même temps. Non, vous voulez pas? 306. C'est des échelles. Kargit Khanat contre le royaume des Rodok. Ah! Vous êtes pas mort, le Kargit? Franchement. Château de Charroi. Oh là là. Ah oh, merde, ça va me saouler cette histoire. Bon. Tant pis. On va attendre un petit peu le temps que je refasse mes unités. Il est où le château de Charroi? Bon, ben tant pis. Mener à l'attaque. Oh, il y a deux échelles! Il y a deux échelles! Oui!
Ils ont enfin compris qu'on pouvait en poser plus d'une. Question c'est, est-ce qu'ils se précipitent tous sur la même échelle? Oui. Oui, ils sont aussi intelligents que des pigeons. Allez. Maintenant, faut que je puisse passer. J'ai pris quelques points de dégâts quand même. 7, c'est pas sympa. Et oh. Voilà. Allez, on en a 150 à éliminer et ça ira vite. Ils auraient pas par... Voilà. On va y... Voilà, bon. Alors... Alors, faut regarder où tu mets les pieds, hein, toi. Je lui ai mis 104 points de dégâts dans la figure. Ouh, dans le pied. Ouh, que ça doit faire mal. J'arrête pas de me casser la gueule, par contre, moi. Oula, y a des sauts. Ah. D'accord, le hip-hop est juste là, donc je suis pas ultra bien placé, surtout qu'il me tire dessus à coup de d'arbalète. Ce qui est quand même beaucoup plus précis que le... Oh. Je vais me carapater un peu, je pense que c'est une meilleure idée. On est plutôt bien, on est à 80 pour l'instant. On les défonce un peu, comme d'hab. 80, ouais, ouais, c'est ça, on est à 90. Voire même... Ouais, non, plutôt 100. Bon, maintenant, faut que je puisse remonter ici. Vous voyez pas, genre, me suivre plutôt. Voilà, reculer. Non! Fuck you! Bon, charger, tant pis. Oula. Je suis en train de me faire défoncer. Attends, ils sont avec moi? Ils ont changé de couleur, non? Ils étaient pas vert plus? C'est bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ont changé de couleur? Il y a encore des gens qui ripop, hein. Bon. C'est encore hip-hop? Quoi? Ah non, mais ils sont juste tout là-haut. Ils en ont un. Ah d'accord, je crois que je les ai désélectionnés. Ouais, je crois que je les ai juste désélectionnés et du coup ils me suivent. Ah, d'accord, du coup je suis plus du tout... Ah merde, va falloir que je lead du coup. Mais ils sont tous foutus là-haut. Allez. Ok, on y arrive. J'ai fait vraiment des gros dégâts là. On va aller chercher le petit dernier. Wouhou ! Voilà. On a eu quelques blessés. Ah, il en reste encore 3. Comment ça se fait que je peux plus leur donner d'ordre? J'ai quand même l'impression que je me suis planté de groupe. Du coup, ça fait tout bugger. Quoi? Oh, les sales 15 points de dégâts. Ah merde. Pff.
Oh merde, chiasse, saloperie de ta mère, voilà. C'est très poli. Voilà. Dites-moi qu'il n'y en a pas autant à faire, parce que là, ça serait un peu chiant. Ah merde. Quoi, 20 points de dégâts? Mais d'où? Je vais tellement crever. Je vais tellement crever. Il faudrait que je me cache en attendant. Je pense qu'ils sont parfaitement capables de gérer le truc. Et je vais tellement me cacher. Voilà, je vais me cacher parce que je dois avoir 2 PV. Et je vais attendre que ça passe. Putain, les 20 points de dégâts d'entrée de jeu, ça me met mal, hein. Bon, je vais attendre que ça passe. Bon, alors, j'ai perdu énormément d'unités. J'en ai perdu 9 et j'ai eu 50 blessés, donc c'est pour vous dire. On va essayer d'attaquer quand même le centre de ce bourg. Oula, par contre, j'ai pas plus de PV que ça. Merde. Pas le droit à l'erreur. Ok, toi c'est bon. Le tout c'est pas se prendre une flèche à 50 points de vie. Oh merde! Je recommence! Bon, bah finalement, ça c'est fini. Il y a quasiment rien en plus dans la ville. J'ai perdu énormément d'unités bêtement. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Bon. Eh ben, tant pis. On va en recruter quelques-unes. Et je pourrais même pas en mettre à l'intérieur, quoi. Si, je vais peut-être prendre les pierres, machin, les trucs de merde. Oh la vache, ça aurait été la galère. Hein. Ça aura été la galère. Voilà, c'est juste histoire de dire que je mets des gens. Je vais récupérer les épéistes mercenaires. Je vais acheter de la bouffe. Ok, j'ai plus de place. D'accord. Donc on a récupéré Suno, ce qui est une bonne nouvelle. J'ai vu. Du Kharghit Khanat a été vaincu. Je suis curieux de voir. Kharghit Khanat. Ouais, d'accord. Ils sont trois. Je pense que je crains pas grand-chose. Ils sont juste un peu chiants. Voilà. Donc, à ce niveau-là, on est plutôt bien. Il reste le château de Riblay et Praven de ce côté-là. Et ensuite, il restera plus qu'une seule grande île. Ils ont quasiment plus rien. Ils ont quasiment plus rien. Sauf que pour moi, allez. Ouais, si. On va peut-être continuer. J'allais dire, sauf que pour moi, on est déjà à presque 40 minutes d'enregistrement. C'est un peu long. Je vais voir. C'est une tour de siège. Bon. Et vu la gueule de notre groupe, j'ai pas franchement envie de m'y risquer parce que ça fait un petit bout de temps déjà qu'on attaque. On va attendre encore un peu. Ou alors si. On va assiéger le château. Ah oui, 60 heures. Bon, on peut toujours essayer, hein. On va assiéger le château et on va essayer de voir ce que ça va donner. Je pense que dans cet épisode, on aura fait pas mal de bastons. Tire un roi gravette, donc voilà, il commence à récupérer des trucs. Le roi est dans la panade. Le tout, c'est de pas se faire récupérer par le Kharghit. Non, on est bien, on est bien. Ensuite, on s'attaque à Praven, ce qui nous permettra de récupérer ces trois villes-là. Et ensuite, Yelen, et on récupère les quatre villes d'un coup. Bim! On a tout fini, et c'est GG. C'est le GG. Mais bon, pour ça, il faut encore récupérer ce château. Bon, alors. Oula. Oups, il y avait un bug. On se fait un petit peu pilonner, parce qu'il y a beaucoup de tireurs d'élite en face. Voilà, et on n'arrête pas de se faire assommer. J'ai pas mal de morts et d'assommés déjà. Donc, on va essayer de passer. Mais de toute façon, oh la vache! Arrêtez de vous foutre de ma gueule. Une fois qu'on sera arrivé à passer le bouchon, ça devrait aller. Mais pour l'instant, on a plutôt tendance à se faire péter la gueule. Ce qui n'est pas une très bonne nouvelle. Oh la vache! Et oh, hé hey. Qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, le jeu est passé en ultra hardcore ou c'est moi? Ils sont en train de me péter les genoux. En plus, moi, je peux même pas les aider parce que c'est évidemment la frontline qui est partie sans moi. Allez, poussez-vous!
Plus je prends des points de dégâts, mais je sais même pas d'où ça sort, quoi. Mais oh! Quoi, mais... Ou toi tu m'énerves vraiment, hein. Je commence à m'énerver, c'est pas bon. Plus j'ai les yeux explosés. What? Mais j'y arrive pas, hein. Mais d'où je prends des dégâts? Arrêtez de déconner! Ah, j'ai les yeux qui grattent. Oui, oui, oui. 2 secondes. Mais moi, mais... Je prends des paquets de dégâts bêtement. Ok, ça arrive. Vous approchez pas de moi. Ok, pour l'instant ça se passe bien. J'avoue, il y a des types qui tirent là. De nouveaux ennemis sont arrivés. Ok, ça arrive. Et puis c'est pas des petites merdes, c'est des gros sergents. Je sais pas où ils sont passés tous mes sergents, hein, parce que moi j'en avais plein avant et je pense qu'ils ont dû se faire défoncer la gueule. On est à combien là? 70, 80. Ne pas se faire tuer, ne pas se faire tuer, ne pas se faire tuer. Faut que j'aille chercher le type qui me veut à l'arbalète là. C'était la mauvaise idée parce que là en fait ils sont pleins à avoir des arbalètes. Comment ça se fait que je les tue pas en un coup, quoi? Y'a des machins... Oh là là, oh là. Wouhou. Je me cache. Allez-y. Ils sont pleins. Ils ont énormément d'arbalètes. What the fuck. Ok. Ça se passe plutôt bien. Non. Non, trop de cul. Non. Ah non! J'en ai marre! Sachant que j'en ai blessé énormément. Bon bah je recommence, hein. Bon, ça y est, j'ai réussi. Il va falloir que je récupère un petit peu des unités parce que là c'est la grosse daube. On a perdu encore pas mal d'unités bêtement, hein. J'aurais peut-être pas dû récupérer des unités nordiques. Tant pis. Tant pis, tant pis, on va garder ça, c'est déjà pas mal. Et du coup, on va arrêter là cet épisode parce qu'on arrive, ça fait quand même 1 heure que j'enregistre moi de mon côté. J'en ai un petit peu marre de perdre à l'infini, là c'est un peu chiant, je vous avouerai, donc je vais faire une pause de mon côté. En tout cas, on aura pas mal avancé dans cet épisode, plus que 2 grandes villes. Voilà, ça y est, on arrive au bout, plus que 2 grandes villes et on aura complètement gagné, on aura dominé Caldaria. Et puis même si c'est pas mon royaume, ça reste... j'aurais fait quasiment 90% du boulot. Voilà, voilà, voilà. J'espère que cet épisode vous aura quand même plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de cette vidéo. À vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et puis quant à moi, je vous retrouve dans 4 jours pour la suite de cette play. Allez, salut tout le monde. Portez-vous bien.